Nous voilà sur la grande place de Louvain-la-Neuve. Aujourd'hui, samedi 20 février, dans le cadre de l'action Still Standing for Culture. Nous, c'est-à-dire les artistes, les régisseurs, les décorateurs, les opérateurs culturels, le monde de l'éducation permanente, donc l'ensemble du secteur culturel. On se retrouve aujourd'hui pour sortir du mutisme où on a voulu nous reléguer. On sort du silence aujourd'hui pour s'exprimer, pour dire qu'il est grand temps qu'on fasse culture ensemble, parce qu'on a besoin de récits, parce qu'on a besoin de se retrouver pour créer du lien social. Aujourd'hui, voilà, on veut s'exprimer, c'est un acte politique aujourd'hui. Donc bien sûr, on a envie que les salles réouvrent, bien sûr, mais notre message, il est bien plus large. On souhaiterait que la culture retrouve une place, même en temps de pandémie, parce qu'il n'y a pas des secteurs à risque, il y a des situations à risque. Donc un avion bondé est une situation à risque. Un espace de coworking avec sans distanciation, avec des personnes sans masque, c'est une situation à risque. Par contre, une salle de spectacle où on respecte les distances, où on porte le masque, c'est pas une situation à risque. Donc, on voudrait que la société soit repensée en tenant compte du secteur culturel, parce que c'est un acte démocratique. On a besoin de se retrouver, on a besoin de faire culture ensemble, pour l'ensemble de la société. Donc, ce qu'on attend, c'est que les hommes et femmes politiques, qu'elles entendent notre message et qu'elles tiennent compte de la place de la culture dans les décisions qui seront prises. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est avant tout un acte politique pour la démocratie et pour le secteur culturel.